Cette année qu'on fait recette. Cette année qu'on fait recette. Et bienvenue. Bienvenue dans les Darons du Game, les gars. On fait quoi, mon petit chef de là? Et aujourd'hui, Global Test Fire, Splatoon 2. Attention, les mecs. Voilà, quoi. Bon, le Damien, il a réussi à rentrer sur sa télé. Voilà. Moi, j'essaie sur ma Switch, mais je n'y arrive pas. Alors, peut-être que sa connexion est blindée ou pas, peu importe. Voilà. Voilà, l'essentiel, c'est qu'il y en a un de nous deux qui soit rentré. On est dans la place, les mecs. Voilà. On est dans la place. Exactement. On est chez les Inklink, on va faire la bêta test avec vous, les petits gars. Donc là, c'est un tuto qu'ils nous proposent. Alors, let's go, les gars, c'est parti. Petit tuto. Alors, ça, on connaît. Voilà, le but du jeu, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est vrai. C'est peindre. C'est peindre partout. Là, je pense qu'il faut que tu niques les ballons. Oula, attention. Ça, c'est malade. Ouais, mais ça va, je voudrais dire. Ah, tu veux peut-être rentrer direct. Ok, d'accord. Attention. Est-ce que sauter, c'est ça? Très bien. Okay. Oui, parce qu'on découvre. Hein, ok, voilà. Très bien. Si c'est les mêmes tours. Bon, de toute façon, on va se faire laminer la gueule, les gars. Mais bon, chez les darons, vous connaissez le skill. Donc voilà, alors, je l'avais déjà balancé sur Facebook. Il y a 4 armes disponibles. Qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? Donc on a le liquidateur, le rouleau, le snipe et le double ancreur qui est une arme inédite. Un peu le concentrateur, la tuerie là. Ça, c'est du snipe. Voilà, le snipe, concentrateur. Voilà, rouleau, concentrateur et double ancreur. Double ancreur, arme inédite. Allez, moi je tente, c'est ça. Il y a un truc, t'as vu pareil, il y a des trucs un peu inédits, j'ai l'impression. Il y a des trucs, ouais, mais j'espère bien, c'est quand même 1-2. Alors, il y en a plein qui troll, qui disent que c'est 1.5, on va bien voir nous. Et c'est nain. Wet, wet. Attention, mon gars. Le style, pardon. Putain, on est chez les jeunes, ceux-là. Et mais vous savez quoi, mais j'ai réussi à rentrer quoi. Ah, alors voilà, regarde, montre-leur. Voilà, le mec il joue, ça y est. Là je suis chez le dame et voilà. Et le gars il joue avec sa petite Switch nomade. C'est ça, quoi. Hop, la version portable. Alors comment ça marche? Je cherche une partie, bon, ça y est, moi je suis dans le game, je suis comme un gosse. Il y a du Jap. Là tout de suite on voit, il y a du japonais. Moi je suis là, Attila 77 les mecs. Et ça cherche. Alors, faut dire que c'est un bêta test, donc du coup, les connexions, à mon avis, vont pas être de foudre de guerre. Hein. Ça va pas être génial ici. Non, on chie, je pense, on chie un peu. Bon, mais je vous avoue que moi, sur l'écran, ça passe assez bien. Ouais, voilà. ça a l'air d'être assez propre, on montre le. Si vous arrivez à bien voir. Voilà, pareil que le dame, ce que vous avez vu tout à l'heure. Mm-hmm. Voilà. Hop, moi je regarde un peu là les boutons qu'ils nous proposent. Ouvre et fermer la carte, c'est le X. Ah oui, parce que maintenant on n'a plus le gamepad, ça fallait faut le signaler. Oui, d'ailleurs. Et le gamepad, ce qui était pratique, attends, j'en ai un, le temps qu'il cherche, c'est qu'ici là, vous voyez là, attention, hop, ici sur le gamepad, ce qui était bien, c'est que l'écran là, ça servait pour mettre la map, pour se téléporter quand on cliquait un peu à droite à gauche. Et surtout, on voyait aussi c'est qui gagnait. Parce que le but du jeu, dans le mode classique, c'est pas dans les modes pro, hein, voilà. C'est de celui qui met la plus de peinture partout. Hein. C'est ça. Bon, apparemment, il en chie un peu, moi. Bon, mais je vais C'est mal barré, là, je pense. Toi, t'y arrives, toi, à rentrer? Bah, pour l'instant, ça y est, je rentre. Moi, je suis toujours là. On est 8. 9. Ah, ça y est, voilà. Oula, ça y est, ça m'a lâché, moi. Il y a Nio1979 qui nous a rejoint, ça y est, on peut peut-être pouvoir jouer, les gars. Ça y est, c'est parti, le game, les mecs. Putain, attention. Alors. Bon, moi, j'y arrive pas, la connexion internet, elle marche pas. Bon, déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que graphiquement, c'est propre. Ouais. Pareil au même, un ça peu a plus l'air, propre. Ouais. Ouais. Les textures, il y a un peu plus de brillant, j'ai l'impression. Ouais. Un petit peu. Alors moi je m'en bats les couilles au début. Voilà, le mieux c'est de peindre. Peindre, les gars. Moi on m'a dit tu peins, bon moi je peins, mon pote. Attends, croyez quoi là? Alors, je m'en fous un peu des ennemis. Recharger. Oh putain merde, ça c'est le X, ah ok d'accord, c'est ça qui met la map. Ok là j'ai ma super et ma super. Oh attention, il arrive. Oh qu'est-ce que c'est ça? J'ai mis ma super, il est arrivé alors que j'avais ma super, mon pote. Eh hey, dans ta gueule là, qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant ça. Oula, ah ouais. Je me barre. Je comme un lâche. Je me barre, mon pote. Il a failli se retrouver bloqué dans la peinture orange. Allez, c'est le bouton saut là. Je trouve qu'il est mal placé. Pour l'instant, j'arrive pas. J'ai du mal. Ouais, je pense qu'il y aura de. Non, la personnalisation aussi après plus tard. Ouais, c'est question d'attitude, mon pote. Alors moi, pour l'instant, je vous avoue que ça y est, je suis rentré dans une partie quoi, les mecs.
Il y a le sniper là qui essaie de me sniper la gueule, le mec. Je vais lui balancer des trucs, je peux pas. Et il a essayé de me balancer des trucs aussi. Oh putain. Attention, le sniper. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Viens ici, viens voir papa. C'est pas mal ce sort de jetpack là. C'est original. Il s'échappe, le gars. Il a décidé de s'échapper, le mec. Oh putain, moi aussi, vaut mieux que je m'échappe. Ah, ça y est, moi je suis parti aussi, je vous le dis. Ah, yes. Voilà. Bon, il est pas dans ma partie. Hein. Non, bah non, il a commencé à voir. Hein. Là, il peut pas être dans ma partie, le mec. Donc, le jeu est attendu pour cet été. Voilà. Moi, du voilà. Coup, été, on sait pas. Quand exactement on verra ça. Voilà, je viens d'enflinguer, moi je suis content. Donc, on n'a pas de date précise. On sait qu'il arrivera vers ces eaux-là, quoi. Exactement. Donc, à voir après exactement quand. Mais bon, on retrouve les bases, hein. Putain, ça. Ouais, c'est ça. Avec gyroscope. Le gyroscope, c'est ça. Important. Le gyroscope qui est toujours là. Bon, vous inquiétez pas, vous voyez pas ma gueule. Ah, j'ai trouvé la carte X. Il m'a flingué l'enculé. J'ai trouvé la carte, c'est X. Ouais, j'ai vu, ouais. Ah, t'as vu. Je l'ai dit, mais tu vas pas y j'ai pas entendu. Ce parce que le gars, il était en stress, il voulait à tout prix. Moi, je veux jouer dans le game. Attention, je suis. Bah, on va voir qui c'est qui gagne. Ouais, ouais. Et c'est là où je me plante, parce que moi, le X, j'ai l'impression que c'est. Pour moi, ça serait l'idéal pour faire les sauts, je pense. Et ça, c'est une nouvelle map ou c'est une map améliorée? J'ai l'impression que c'est une map améliorée. Ouais, j'ai l'impression que c'est une map qu'on connaît. Ouais. Un petit peu. Oh le con! Il m'a eu la ça, c'est génial quand même. Le jetpack est là, les gars. Ouais, c'est original ça. Je vais me faire latter par un mec au jetpack d'ailleurs. Venez. Moi, j'aimerais bien essayer d'aller dans, chez eux là, mais là, on peut pas y aller par là. Donc, je fouille un peu, je farfouille la map. Ça me plaît pas, le X. Ouais, il faut s'habituer, ouais. Hein, c'est pas évident. Hein. Quand il est habitué au gamepad, ça par contre, ouais, au début, ça va faire le job, il va falloir prendre l'habitude. Oh le con! Voilà, mais putain! Ah, ça y est, c'est fini! Terminé! Ah, mais c'est R tout seul. Attention, les gars! Okay. Bon, je crois qu'on a. Oula, je suis pas sûr qu'on ait gagné. Si, on a gagné là. Première victoire, les mecs! Victoire. Ça y est! Bien joué ça. Alors, j'ai fini combien? Parce que j'ai même pas eu le temps de choisir mon personnage. Mon personnage, il a la mèche. Et je suis premier, mon pote. Ah, bah je vais. Et je suis premier, mon gars, quoi. Alors, c'est qui le taron? Ici, les mecs. En kill ou en peigne, tous les deux? Les deux, regarde. Ouais, attends, regarde, je suis mort qu'une seule fois, je crois. Bon, surtout en peinture, parce que moi, je suis un grand fanatique de la peinture. Bon, on a une heure pour tester tout ça. C'est ça. Donc, ben, on va y aller très gaiement, hein. Lui, c'est enculé. Tu arrives alors avec le. Ouais, la version nomade ou pas c'est bien actif, le gyro est actif. Par contre, ouais, je vois pas joli, la carte. Aussi. Je vois pas la carte, alors ça me. C'est très simple. Putain, t'es en rose, cette fois, t'es l'équipe ouais, en rose. Je suis en rose. Ah, ça m'étonne pas de toi. Le gras, toujours les couleurs de gonzesse. Oula, c'est pas peint là, il faut peindre, les mecs. Alors, ce que vous pouvez voir dans ce jeu, on va parler un petit peu du jeu quand même. Parce ouais. Que bon, là, on fait les malins, on est content, j'ai fini premier, je suis un daron, très bien. Alors. Les petites fonctionnalités en plus. Alors nous avons quoi? Alors je teste les boutons, moi, hein. Je regarde, celui-là ça fait rien, ça c'est la map. Ça non. Ça ok, bon très bien. Ok, là pour l'instant je vois pas la différence. Oh, c'est quoi cette arme? Qu'est-ce qui t'arrive? Une sorte de lance-roquette, excusez-moi. Nous on pourra pas te dire. C'est une sorte de lance-roquette, arme spéciale, là où tu loques des adversaires. A priori ça leur va direct dessus. Il faut trouver les adversaires. Ah, Philly. Attention, combien? Est-ce qu'on a gagné? Est-ce que j'ai gagné avec mon équipe? J'ai l'impression. Allez, Attention, le mec, victoire! La victoire! Les darons sont à la place, on vous l'avait dit. Victoire, ouais, 42 contre 40, c'est difficile. Et je finis deuxième de l'équipe. C'est bien, propre. Merde, moi je suis mort dans la flotte. On peut toujours mourir dans la flotte. Ah, bah oui, ça. Donc oui, je voulais dire les nouvelles fonctionnalités avant que l'autre soit content à fêter sa victoire, ce qu'on achète, c'est que vous allez voir qu'il y a des nouvelles armes, des nouveaux vêtements qui ouais. Permettent de monter la capacité justement des armes et aussi d'aller plus vite, d'avoir plus d'endurance, d'être plus costaud. Il y a des nouvelles coupes, ça je sais pas encore exactement à quoi ouais, ça va servir. Organisation, à voir ce que ça donne. Avant il y avait beaucoup de casquettes, des chapeaux, des trucs comme ça. Ouais, peut-être des trucs d'infiltration. Tiens, mais Locke il a une espèce de missile, ouais. Je sais pas ce qu'il. Allez vas-y. Oh le con! Oh merde, j'ai oublié, j'aurais dû utiliser ma super. Ouais, t'es piégé. Donc tout ça, ben, on verra au fur et à mesure. Mais ce jeu, il met la hype chez Eldivia. Ah, ouais, carrément. Parce que de leur côté, vous allez voir, il y a Victor normalement qui fait une vidéo avec le petit Tonio. C'est ça. Voilà, donc Eldivia, on est un peu partout.
Donc là, on est les Furious là-bas. Si ça se trouve, ouais, je sais pas comment il s'appelle. Ah non, non, c'est vrai. Ah non, je crois que c'est Tonio, pour Tonio en tout cas. Victor, je crois que je suis pas encore ami avec lui. On l'a oublié. Et puis, même nous, on n'a pas bien mis. Ah ouais, parce que t'as vu, en fait, ça. Ok. Ah ouais, ouais, là, les gars, ça rigole pas. Mais pas mal, ça. Bon, c'est toujours aussi fluide et coloré. Ouais, ouais, complet. Ça tourne bien, le jeu, il est propre. Est-ce qu'il en faut plus? Non, les amis. Je crois pas. Non, les amis. Gameplay, quoi, les gars. Le gameplay avant tout. Joli. Voilà, dans ta gueule. Fais pas trop la mariole avec moi. N'oublie pas que je suis quand même un daron. Faut me respecter, mon pote. Hein. Fais monter. Ouais, je remplis en même temps. J'essaie de mettre la peinture au maximum parce que là, on est en train de perdre. Ouais, j'ai l'impression que. Ouais, là, on est en train de perdre, les gars. Réveillez-vous, les mecs. Il faut peindre, là. Voilà, arrêtez de vouloir flinguer tout le monde. C'est ça, c'est pas un jeu forcément connu qui a oublié ça. Bah, moi, c'est, je m'amusais, moi, dans les autres, à plutôt plus peindre que flinguer. Ouais, c'est ça. Flinguer, c'est sympa, mais il y a des modes exprès pour ça, les modes pro, justement. C'est ça. Attention. Ouais, j'ai vu. Putain, je suis mort. C'est fini. Ouais, je suis pas sûr qu'on gagne, là. Aïe. Aïe. Pas mal, on s'en fait. Ah, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est le. Oui, il a 1% quoi. Aïe aïe aïe. Oh, je suis encore en rose. Putain, ben écoutez, ce jeu il est fait pour moi. Je suis deuxième pour celui-là. 1838, ouais, pas mal. Mais écoute, on continue, on s'amuse, on se régale. J'espère que vous aussi vous allez vous régaler. Désolé si j'ai la tête en bas, hein, vous avez compris que. Voilà. Non, non, mais je regarde un peu sur ton côté quoi. Ça passe pas mal, hein, quand même. Très fluide, très très fluide. Après, j'avoue que par rapport à la prise en main de la manette, c'est. Avec la pratique, hein, peut-être. Hein. Ouais, 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 mais montre un peu, peut-être, même si ça te fait perdre, c'est pas grave ça. Aux gens, le rendu que ça peut donner là. Voilà, regardez un petit peu, voilà comment ça tourne. Je suis mort, hein, voilà, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer à vous. Voilà. Là, on n'est pas là pour essayer de faire les meilleurs scores. Non. C'est pour vous montrer, le pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui hésitent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont hésité et qui n'ont pas pris de Wii U, qui est la Wii U un peu des gamers, on va dire, de chez Nintendo, de la fanbase. Et donc, si vous avez été acquéri une Switch et que ce jeu vous intéresse, eh bien, je vous en prie, vous pouvez vous faire votre avis déjà, là, sur notre vidéo. Faites-vous plaisir. Regardez les autres vidéos. Nous, on n'est pas contre que vous regardiez le maximum de vidéos pour vous faire votre avis. C'est... Oh putain, l'enculé, alors que j'avais un super. c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est ça. Et c'est un Jap. Quel enculé. Ah, mais les Jap, attention. Attends que je te chope là le. La face de citron. T'as vu, il y a un niveau sur la jauge, le recharge. Hein ? Il y a une sorte de niveau, une sorte de petit. Je vais ça. Oula, on a fait un beau travail en équipe avec un mec là. Bon, moi, je les laisse se battre parce que je crois qu'ils veulent se battre, mes collègues. Moi, j'ai envie de peindre. J'ai envie de savoir comment arriver aussi de leur côté, parce que là on peut pas y aller, je sais pas comment on fait. Alors il y a un truc que je pipe pas. Ah ok, putain ça y est, j'ai enfin compris. Boum 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 boum. Putain, alors si on ferme nos gueules, c'est parce qu'on est. Ah ouais, alors excusez-nous. Ah oui. On parle plus. Ah oui, alors si je. On essaye de comprendre un peu. Quand je parle pas, c'est que moi je suis à fond. Hein. Oh le con. Et les gars, c'est que là, on est dans le game. Alors, je vais être très honnête, avec le pad, le gyroscope c'est très bien, mais quand tu veux te retourner vite ou autre, t'es obligé de te tourner comme ça là. Ouais. Je pense que la manette pro est quand même plus agréable. Adaptée. Alors, moi, mon petit retour perso, en tout cas pour moi, mais on va tourner après, on va changer. Je vais essayer, toi, le gamepad et toi, tu vas essayer la manette pro. Ouais. Mais franchement, c'est propre, c'est fluide. Le double flingue, je suis tombé amoureux, ça y est mec, c'est bon, c'est mon arme. Mais moi j'ai pris la classique en fait, et ça me va aussi. Hop, hop. Olé mon gars, qu'est-ce qui se passe? Ah. Alors on peut toujours envoyer des messages, il y en a un qui m'a dit par ici mon pote. Ouais. Bon. Et putain, elle fait mal, les doubles armes, ça fait mal mon gars. Alors il y a un passage, je sais pas par où faut passer là pour aller là-haut. Là on peut pas mettre de la peinture. Alors, attention pour ma deuxième partie. C'est la défaite. Ah la défaite, ça y est, la première défaite chez les darons. La défaite à 1%. Et je finis premier de mon équipe quand même. Bien joué, on va dire que c'est peut-être pas de ta faute alors. Non, voilà, la faute des autres. C'est les autres qui vont pas fuir leur job. C'est ça. Et ouais les gars, c'est un sport d'équipe, alors aidez-nous. Ah ça y est, t'es passé en rose aussi. Moi ça y est, le rose me convient très bien.
Et moi, c'était surtout ce double flingue, mon gars, je suis tombé amoureux, ça y est. Toi, t'as pris quoi comme arme? Moi, j'ai pris la classique, la première, là, tu sais, le flingue normal. Voilà. Ah, ouais, mais il a une arme spéciale qui est pas mal. Après, faut peut-être manier un peu plus, j'ai un peu plus de mal à comprendre le système. C'est une sorte de lance-roquette, quadruple roquette, ou je sais pas quoi. Qui est pas trop mal. Oh, victoire. Oh, bon, là, si on gagne pas, les mecs, je pense que là, c'est victoire 51 à 36 à peu près. Et là, est-ce combien j'ai fini? Moi, je pense que là, je suis bon aussi, là. Faut voir. Deuxième encore. Ah, c'est encore ce compte de japonais, là. Les japonais, sont, eux, ils sont ils vont kiffer ce jeu. Faut savoir, je l'avais déjà que la première version, elle est tombée. Ouais. Et puis, il faut se dire qu'au Japon, le Splatoon, c'est pas qu'un jeu vidéo. C'est un univers. C'est un mode de vie, presque. Je dis presque que c'est un mode de vie, parce que j'avais raconté cette histoire à Shebs. Quand vous allez dans un bar e-sport au Japon, le premier jeu qui vous propose de jouer en ligne, sincèrement, le premier jeu qui vous propose, c'est Splatoon. Le premier du nom. Hein. Il faut savoir aussi que Nintendo a pas mal communiqué sur le fait qu'ils veulent faire de ce sport, justement, un jeu e-sport. Aussi, bah, voilà. Dans la première pub qu'on voyait. Voilà, on le voit dans une espèce de stade, là, du coup, mais on voit carré de monde. Bon, je pense pas qu'il y aura aussi autant de monde, hein, les premiers tournois. Hein. Mais on sait jamais. Et en tout cas, eux, ils ont dans l'optique d'en faire un jeu e-sport dans le monde entier. Alors, on ne sait pas si ça a marché dans le monde entier, mais en tout cas, au Japon, vous pouvez être sûr, les gars, qu'ils vont le torcher, le jeu, quoi. Et puis, il faut savoir que s'ils mettent après la clé des jolies petites primes, ah, je l'ai pas eu. Donc, il y en a qui vont le faire. Et ce jeu, moi, je pense qu'il est taillé pour l'e-sport. Ah oui, complet. Il est taillé complet, pour l'e-sport. Complet. Donc, je l'attends avec impatience. Et ce qui me fait le plus chier, hein, le chef, c'est qu'il va falloir attendre le mois de juin. Oh, on aura d'autres entre-temps, on aura le Mario Kart pour patienter. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va, avril, c'est bientôt. Hein. Hop, 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 on attaque par derrière. Ouais, on essaie de... Tiens, ou le roulant. Moi, si tu veux te battre, va te battre avec mes collègues. Moi, je peine. Non, mais... Par derrière. Hop là, allez, j'utilise. Oh putain, il y a le sniper qui va me sniper, essayer de me sniper la gueule, je le sens bien le truc. Hop là, je fuis comme un lâche. Oh, mais mes collègues, ils peignent pas, quoi. Ah, c'est des feignasses. Ils ont pas compris le jeu parce qu'ils veulent killer. Ah, ils ont cassé le couille. C'est ça, les mecs, ça. Les gars, ils ont pas compris qu'à la base, il faut peindre. Boum, boum, boum. Ouais, voilà, moi je me suis fait flinguer. Je me suis fait avoir parce que je voulais flinguer comme un con. Comme un kikou. Comme un kikou. Il fait le kikou et voilà, les gars. Kikou. Allez, il faut alors, peindre, là, les mecs. Là. Comment ça marche, ce truc là, bon, là. Est-ce que je peux. Voilà. Ça marche comment, ça? Putain, j'ai réussi à me téléporter sur un pote. Ah. Excellent, quoi. C'est moins intuitif, je trouve, que le. Hein, ben, c'est la carte manque. Que le gamepad, ça. Hein. Ça, par contre, ouais, là, je suis. La carte manque. Bof, bof, je suis dans la merde. Je suis pas satisfait, hein. Alors, toujours penser à recharger. Oui, parce que là, je me suis piégé, je me suis retrouvé au milieu. Oh voilà, j'ai dit, il me cherchait le gars. L'autre, il a un laser. Ah, je sais pas ce qu'il a, mais il a un laser, le gars. Putain, là, je me suis fait. Avoir par deux mecs. Ça sent la défaite pour moi. Encore un japonais. Je sens que ça sent oui. Toujours le japonais. Bah, l'autre, il commente sur son match, mais on voit rien. Ouais, désolé, hein, mais on est avec toi, mon petit chef. On est avec toi. Voilà. On sait pas pourquoi il a gueulé, mais il a gueulé, les gars. Voilà, très bien. J'ai compris. Et il faut que tu nous fasses des commentaires comme à la radio. Ouais, c'est ça. Mais on voit rien, nous. Bah, regarde, moi, ils voient, les dégâts, ce que je fais. Pour l'instant, là, je suis en train de me faire. On est en train de se faire exploser la gueule. Et il faut balancer des grenades. Allez, putain. Là, c'est bon. Je pense qu'on a pris. Oh là 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 là. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait sniper la gueule. C'est la raclée, je suis en robe. La raclée, on a pris. Petite débandade pour, pour l'équipe à Chef. Ce qui serait marrant, c'est que si on arrive à se retrouver ensemble, c'est rigolo ça, quoi. Putain. Mais je finis toujours premier. Ah, mais il y en a eu à zéro, on était que trois, il a dû se barrer. Ah, ouais, mais ça, c'est normal. Voilà. Ça, c'est les premières parties, il n'y aura pas tout le monde. C'est ça. Il y a des petits problèmes de connexion, j'imagine. Aussi. Parce que là, on joue avec le monde entier, parce que s'il y a des Japs, mon gars. Oui. C'est avec le monde entier, mon pote. Hein. Alors, eux, chez eux, je sais pas quelle heure il est, mais. Dans le dos, le gars. Comme un gros lâche. Ouais, mais c'était un gros lâche, quand même. On s'en fout. Ouais, on s'en fout, ce jeu. Le but. On s'en fout. Allez, les gars, on paye. Voilà, je crois qu'on va gagner là encore. Ouais, ça sent. C'est la gagnade. Là, c'est la gagnade. C'est la gagnade. Regarde mon gars.
On les a la mine et la gueule. Ah, mais moi aussi, il faut qu'ils fassent ça, les mecs. Mercredi. 53-18. Bon, là, je pense que les mecs, il y avait personne devant nous. Alors, ils étaient que 3 contre chez moi. Ça y est, je suis en violet. Quoi. Violet pour le chef. Bah, moi, toujours en bleu. Toujours deuxième. Là, il y a... Mais c'est les Japonais, à chaque fois, ils sont devant moi. Allez, on continue pas, les gars. Ouais, on continue. Allez, on continue, les gars. Je croyais qu'il disait ouais par rapport au jeu. Je sais même plus s'il me parle ou pas, le mec. Non, mais j'essaye de faire les trois en même temps. Parler, jouer, sans regarder. Est-ce que j'ai le temps de fumer une clope, les gars? Ça va être compliqué, cette histoire. Ah là là, j'ai pas réussi. Un peu compliqué. Alors, malheureusement, on pourrait pas voir le gameplay de monsieur, ouais, monsieur là. Dommage. On sait pas encore si on peut se connecter en wifi, on l'a pas bien testé, fait les tests, nous sur la Switch. En fait, il a un laser. Normalement, c'est prévu. Hein. Bah ouais, logiquement. Donc ouais. Donc là, pour l'instant, on s'est pas vraiment posé chez Eldivia pour faire le test. Non. On pourra le faire, ça, une vidéo vous montrera. On qu'on teste tout ça. Pour l'instant, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où on peut jouer à deux en ligne. Il y en a un, ça pourrait être le Fast RMX. Ouais. Mais d'autres jeux, non, en attendant le Mario Kart 8 Deluxe qui va arriver là. Bientôt là maintenant. Un petit mois, un bon mois, 28. Donc, ouais. Et on attend ça, quoi. En attendant, nous, on fera des petits jeux, quoi, de l'eShop. Ouais, voilà. Hein, voilà. Pour l'instant, vous avez pu le voir avec Metal Slug. Le petit let's play qu'on vous a fait, concocté pour vous. C'est ça qui vous fait plaisir, les gars, les retours, n'hésitez pas. Alors, c'est toujours la même map ou c'est une map différente? Moi, j'en ai une deuxième là. Moi, c'est toujours la même map, moi. Donc, c'est bien mignon ça, les gars. Mais j'aurais bien voulu avoir une autre map. Et je suis une nana là ou quoi? Je suis qui, moi? Alors, moi, je suis une nana maintenant. J'étais pas une nana tout à l'heure. Bah, je pense qu'il varie en fait. Hein. Ouais, il nous montre le maximum. Ouais, bah, ouais, c'est la démo. Hein. Bon, techniquement, ça fait le job. Hein. On prendra plus encore. Ouais, franchement, il est propre, il est fluide, il est... Après, je vais être très honnête avec vous, j'avoue que sur le gamepad, c'est... Vas-y. C'est bizarre. Comment ça, c'est bizarre? Un peu de mal avec le gyro et le gamepad. J'ai un peu de mal, quoi. C'est-à-dire que... Je trouve que les... Parce que là, il faut être vraiment réactif sur les, tu sais, les deux joysticks, là. Et moi, ça me... Ça te plaît pas? Ça me plaît pas. Le gars, ça lui plaît pas. Ça me plaît. Alors après, c'est peut-être une pratique aussi. Hein. Moi, je sais pas comment on fait pour aller dans leur camp, ça m'énerve ça. J'aimerais bien comprendre la combine là pour aller chez eux là. Parce qu'il doit y avoir des passages et je les connais pas encore. Hein. Ça, c'est des maps, après, il faut apprendre par cœur. Hein. Ah, c'est ça. Comme dans le 1. Ouais, hein, je me barre là, il est armé comme un Golgoth. Je préfère me barrer vite, c'est bien fait les mecs. Parce que là, ça rigole pas. Puis là, les Japs, à mon avis, eux, ils rigolent pas les mecs. Attends, j'aimerais bien aller chez eux, mais on peut pas y aller là, je crois. Hop, je vais passer par là, je ne peux pas. Allez, hop, un peu de papier. Bon, mais c'est encore la branlée, hein. Je vous montre. Voilà. Putain, le mec, il arrête pas de perdre. Hop là, moi, ça gagne. C'est non, on était que 3, on était que 3. Mais putain, mais comment ça se fait que toi, il n'y a jamais du monde avec toi? C'est chiant, 3 contre 4, qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu peux rien faire, hein. C'est la défaite. C'est la débandade, moi. C'est la défaite. Écoute, c'est la lose assurée. Et ouais, le gars. Ici, il n'y en a qu'un winner. Ouais. On le sait qui c'est, le vrai daron. Ouais, c'est le daron, c'est le dame. C'est qui a le skill? Mais c'est pas mal, le double arme, il est stylé en plus. Tu sais, quand il tire. Oh putain, j'ai loupé. Ah. Ouais, j'ai louché un peu là. Mais le double flingue, c'est génialissime, je suis trop content de mon arme. Des armes, déjà dans le 1 il y en avait je ne sais combien. Hop là, je me barre. On se lâche. Mais c'est vrai que t'as vu, la texture de la peinture est plus brillante. Ouais, plus, j'ai l'impression. Ouais, complètement, c'est vraiment... Ah ouais, putain, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Ça se voit vraiment. C'est la peinture satinée, ça, comment ça s'appelle. Ouais, je sais pas. Ça, c'est la peinture... Ouais, les mecs, faut se battre. Tuning, ça. Peinture pour le tuning. C'est ça. Et ouais, mon pote. La peinture qui pique aux yeux. Ah, il y a des voitures que tu peux pas avancer. Il n'y a pas des voitures. Hop là, allez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon jetpack, les mecs. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Alors, on vient pas se frotter aux dames? Putain, je crois qu'on les... On leur fait mal. On leur fait mal, aux mecs. Ils sont dans leur camp. Ils bougent plus, les mecs. Oh putain, regarde-moi ça. Tu as remis à branler. Branler. Sur branler, les gars. Le beau jeu,
Ça se passe ici, les mecs. Le beau jeu. Ça se passe avec le dame. Bon, nous, normalement, on est 4, là, cette fois-ci, j'espère que... Ah, et premier. Magnifique. Je savais très bien que j'avais bien joué. Je suis mort qu'une fois, j'ai tué deux fois, bon. Ah, petit passage, là, peut-être. Ah, non. Je croyais... Pas de passage. Ratio positif, c'est l'essentiel. C'est essentiel. Alors, moi, j'aimerais bien, quoi, qu'il nous montre d'autres maps, là, ça serait sympa. Il y a que... Il y a 4 maps, pas plus, hein. Ouais. Si je me... Non, 2 maps. Il y a que 2 maps, hein, et 4 armes, hein. Ok, mais c'est, moi, qu'il me montre l'autre map, là, parce que... Ou alors c'était celle-ci l'autre map et j'ai pas fait gaffe. Alors les Star Dream, les Jap, bon en Jap donc je peux pas comprendre non. Ah, j'ai eu le Wally, ça doit être un anglais ça ou. Un mec qui aime les anglais ou les américains. Voilà. Et Artiga 77, les mecs, c'est moi. Hein. Sincèrement, je mettrai mon code ami là justement, celui-là de Chef si tu veux bien. Oh, oui. Comme ça, si vous voulez nous rajouter dans la liste de vos amis, ben, n'hésitez pas à nous envoyer des demandes d'amis. Nous on est ok hein. J'ai eu leur mec au rouleau, hein. Le mec au rouleau je les déteste, je supporte pas les mecs qui jouent toujours. Ah ça c'est dit. Ça ça m'énerve. Voilà. Bon, il pourquoi faut, t'aimes hein. pas ça? Ouais, bon, je sais pas. Vas-y, tu peux lui hein. J'aime pas. Bon après les mecs. C'est l'arme des Kikou. Ils sont un peu ralentis, etc. Mais bon. Enfin, nous, il faut savoir que dans le premier plateau, nous on jouait surtout avec l'aérogun. Ouais. Alors moi je prenais souvent l'aérogun. Doré, avec le missile sur le dos. J'étais pas mal aussi. Et toi, enfin, tu prenais l'argenté. Et l'argenté, c'était quoi déjà? Je m'en rappelle plus quoi. C'était le bazooka. Bazooka. Bazooka qui était pas bon. Ouais. Bazooka. Alors, je pense que là, j'espère surtout que dans ce jeu, on va retrouver des modes de jeu un peu plus complets et un peu plus nombreux qu'on avait eu dans la version. Oh, l'enchaînement que je viens de faire, mon gars. Je suis content. Excuse-moi. Mais on voit rien. Le mec, il s'excite, mais on voit rien, mon pote. Mais c'est bien, ça fait double contact. Je suis content pour toi, ouais. C'est tout ce que je peux te dire. J'espère que c'est là où on va la gagner quoi. On peut pas rentrer là. Oh putain là tu m'envoies un missile qui vient de l'espace. Mais ici tu pourras pas me choper mon gars. Moi en attendant, je repeins ce que t'as peint. Qu'est-ce qu'il y a? C'est où le problème? Et je me barre comme un lâche mon ami. Attention ils sont là, ils arrivent derrière moi les mains. Il reste 4 secondes, 3 secondes. Je suis avec mon collègue. 1, 0. Voyons, voilà. Voyons. Nous on va faire une équipe avec elle. Oh c'est la victoire. La victory. Waouh. Super. Change rien. T'es sur la bonne voie. C'est ça. Victoire et je suis. Ah putain, ça ce jeu, je suis sûr que mon neveu il va kiffer. Premier. Je te fais un gros bisou mon neveu. Vous pouvez le voir. Premier. Premier. En haut le rose. C'est bien, on est fiers de toi mon gars. Content. Bravo. Je suis content. Bravo mon gars. Il redore le blason des larrons du game. J'allais dire les Furious Players. Non. Des larrons du game ici les gars. J'étais en rose avec une fille. Attention. Ah ouais. C'est ça qu'il te faut en fait à toi. C'est ça, une meuf. Il te faut que tu sois rose et que tu sois une nana. Les personnages s'appellent les Inklings. Hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est ça, oui d'ailleurs. Petite info comme ça que je peux vous donner si ça vous intéresse. Où il y en a qui arrivent. Allez, bon. Ah, je t'attendais mon gars, j'étais prêt à te faire un bisou toi. Oui parce que quand vous voyez ce truc apparaître, là, ça veut dire que c'est un mec qui est en train de se téléporter sur l'endroit. Alors pour se téléporter, regarde c'est comme ça là. Et en fait, okay. Hop, j'appuie. Et après moi là il est juste à côté de moi. Ah j'avais pas calqué, ok. Tu vois. Donc petit test en live. Dans le dos toujours, c'est les meilleurs kills. Alors ce jeu il est fun. Ça a été la surprise. Quand il est sorti, gros succès de Steam aussi. C'était un nouveau comment on peut dire, excuse-moi. Nouvelle IP, voilà. Nouvelle IP de Nintendo. Tout le monde se foutait un peu de sa gueule au début, t'étais pas sûr. Mais il était curieux et quand on a vu la richesse du gameplay, parce que Nintendo, le gameplay, on pourra vous reparler encore du Zelda, mais on en a assez parlé comme ça. C'est ça. Et on fera des émissions express. Oula, ouais, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais c'est la touche Nintendo. Qui est toujours présente. C'est ça. Et eux, en fait, ils valorisent plus le gameplay que les graphismes. Et on a un nouvel IP qui arrive bientôt en plus. Quoi. Le ARMS. Ouais, et ouais, mon gars. Petit jeu de baston nouveau là. Le ARMS. Qui a l'air simple comme ça, mais attention. Bon, la win, les gars. Ouais, la win. Moi, je suis abonné à la win. Ça sera la win toute la vidéo, les gars, j'ai l'impression. Et c'est la win, c'est des grosses wins. Alors, combien cette fois-ci? Bon allez, écoutez les gars, moi je suis toujours deuxième, premier. Ah j'ai compris le système que tu m'avais dit. Le mec il a quand même fait 2051 le nap, hein. Pas mal. Hein. Attendez, 2050 points c'est pas mal. Hein. Non, on est bon les gars. Bon là, le jeu on va plus le quitter, putain ça me fait chier quoi de savoir que... Bon, on pourra pas y jouer avant juin, juillet. Hein. Dimanche ouais c'est quand alors
les heures, les heures. Je me souviens plus. Je sais que dimanche, il y en a un dans l'après-midi, je crois. Ouais. Mais c'est tout début d'après-midi, attention. Là, c'est, vers les midi, les trucs comme ça. C'est 13h au midi. Ouais, c'est. Ouais, c'est assez tôt. Ouais, j'essaierai de me la faire, moi. Ouais, moi aussi, j'en ferai une. Voilà, peut-être que je filmerai, mais bon, on verra. Ça, c'est pas garanti. On testera quand même. C'est pas garanti non plus, l'essentiel c'est que vous ayez, ben voilà, là, vous voyez un mec qui joue sur la version nomade de la Switch et un mec qui joue avec la manette pro, je la remontre, elle est ici messieurs, et je peux vous dire que ça marche bien. Là on comprend pourquoi ils ont mis le gyroscope sur la manette, hein. Ah oui. Je te le dis direct mon gars. Là c'est le jeu fait pour, je crois qu'ils ont fait exprès de faire cette manette pour ce jeu. Quoi qu'en même temps, je dis ça, mais faut savoir que le Zelda est bien utile aussi le gyro. Oui, c'est vrai. Quand tu vas à l'arc et tout ça, là déjà. Pour la précision en plus. Voilà, pour quand tu transportes des machins. Il y a un rouleau qui. Ah ouais, ils sont chiants ces rouleaux, t'arrives bien. Ah, j'aime pas les rouleaux. Espèce de lâche. Ouais. Avec ton rouleau. Non, ouais, c'est la gyroscopie, il y en a qui aiment pas, mais je peux vous garantir que ce genre de jeu. Parce que le chef, lui, il jouait avant Splatoon sans gyroscopie. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais putain, mais essaye la gyroscopie, tu vas voir, tu vas comprendre. Et j'ai été converti. Voilà, il faut savoir que la gyroscopie, il faut pas y jouer comme un gros bourrin. En fait, c'est une aide à la visée. C'est, comme je vous dis, là, c'est pour une précision en plus. T'as là, par contre, on est en train de perdre, là. Ah. Là, les gars, là, c'est la première défaite, là. On a perdu aussi. Non, mais toi, c'est habituel, j'ai l'impression. Ouais, c'est la défaite. C'est la défaite. Allez, calme-toi bien, toi, mon ami. C'est la défaite. C'est la débandade. C'est la défaite. C'est la loose. Oh, on en est encore trois. Ah ouais, mon pote, je crois qu'ils t'aiment pas, ils veulent pas jouer avec toi, mon gars. Avec moi. Tu t'appelles comment? Casse-couille. Chef, je crois. Chef? Ouais, comme d'hab. Ouais, ils doivent pas aimer ce prénom. Chef Mami, je crois. Je sais pas s'ils croient que c'est ça, mais en tout cas, ils peuvent pas te blairer, les mecs. Ok, moi j'ai ma jauge à l'air remplie, allez on y va. Ça c'est marrant, ça peut être. Et ça, tu peux faire de la peinture, toi, en même ouais, temps. Ouais, c'est ce que je voyais, tu peux perdre en dessous, en fait. Et pas passer en dessous du mec qui a ça, quoi. Alors ça y est, on gagne, c'est la win. Je suis abonné à la win, moi je veux être le meilleur. Ce jeu, je crois que je vais surkiffer, mon pote. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, même sur la Wii U, là. Ah ouais, ouais, carrément. Ça faisait une éternité, peut-être même. Une éternité, j'exagère bien. Mais bon, ça te prend bien que ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, mon gars. Tu me cherchais? Je suis là. Y a pas de souci, on peut discuter. Un grand coup de peinture dans ta gueule. Moi, je peux vous dire que je tombe sur des mecs. En fait, les mecs, ils vont tout droit. Ils peignent rien à côté d'eux. Ils ont pas compris le principe. Ouais, putain. Moi, ça y est, moi, je suis parti dans ma phase. Je veux peindre. Ça m'agace. Je veux peindre et je peins tout ce que je trouve, les gars. Ouais, alors, je sais pas si là, ils comptabilisent les murs maintenant, parce que l'autre version là, sur Wii U, ça servait à rien de peindre les murs. Il fallait peindre que le sol. Je me souviens plus. Mais si. Ah ouais, je sais pas, tu vois. Et bon, j'ai jamais fait gaffe. Eh ouais. Donc voilà, on peut. Mais je sais. On peut. Il y a des endroits, je sais pas par où on passe. Ouais, mais les murs, c'était pour monter, oui, c'est vrai. Je recharge. Vous avez vu, là, je suis allé comme une grosse brutos. Donc du coup, j'avais plus de peinture dans mes blasters, on va dire. Oh. Allez hop. Ici, là, c'est un peu trop jaune à mon goût, les gars. On va remédier à tout ça. Allez, la win ou pas la win, les mecs? Alors, c'est la win ou pas la win? Eh, mais c'est la win, mon ami. Mais nous, on est pas mal aussi, pour l'instant. Putain. Ça avance bien. Je déchire tout. Je me la pète aussi. Parce que c'est bon de se la péter. Et toi, t'es en vert, c'est pas mal en vert aussi. Pour une fois que je suis en vert. Le vert, c'est pas... Je crois que je suis pas encore vert. Toujours deuxième, moi. Et le nap, il est bon. Hein. Je crois que nous deux, on fait le job. Allez, on continue. On profite. On laisse tourner la caméra. Si on doit faire la vidéo en deux parties, eh ben on la fera en deux parties. Mais on vous laissera l'intégralité de tout ce plaster. En tout cas, de celui-là. Pas, peut-être pas de demain, comme je vous l'ai dit. Non. Mais au moins, ça peut vous faire un avis. Puis, pour ceux qui n'ont jamais joué, moi, je vous le conseille, hein, ce jeu. C'est du fun en barre. Hein. Carrément. C'est du fun en barre, c'est du tout bon, c'est du bon Nintendo. Et je pense que ce jeu, il peut faire vendre aussi des Switch. Parce que là, il faut savoir... Cette année, quand même, Nintendo, même si on leur dit il n'y a pas beaucoup de jeux, ils nous sortent les trois licences qui cartonnent le plus. Hein. En un an. En un an. Pas oublié ça. Voilà, en un an, c'est-à-dire qu'on a eu droit au Zelda, on va avoir droit au Splatoon, et on va avoir droit au Mario. Voilà. Et donc, rien que ces trois licences, c'est bon, ça défonce tout. Maintenant, on va voir, on espère, nous, être surpris dans l'équipe d'Alivia par le ARMS. Le Victor, il est à fond, le Tonio aussi, il est curieux, toi aussi, je sais que ça t'intéresse un peu. Moi j'aime bien les jeux de baston, donc
je suis à fond aussi. Donc on va bien voir. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Le mec, il veut faire un duel avec moi. Tu sais pas que je suis un daron, moi, mon pote? Allez, le fameux jetpack. Ah, il y a un derrière moi. Il essaie de me shooter la gueule. Et il m'a shooté la gueule. On m'a dit joli. On t'a dit joli? Joli. Ah, il est content. Joli tir. Il rougit pas, mon ami. C'est bien. Il faut. Bien. Alors, j'ai essayé de me téléporter, moi. Ouais, bon, il est juste à côté, ça sert à rien. Alors, est-ce que c'est la victoire ou pas? Ouais, victoire, on dit ouais, mon gars. Bon, là, on y va comme des grosses brutasses, mais après, ça sera plus technique. Hein. Ah oui. Parce que là, là, je pense que tout le monde a envie de se défouler. Donc, on fait un peu tout et n'importe non, quoi. Oui. Donc, oh là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, c'était quoi, ça? C'était une espèce de missile tête chercheuse. Bombe curling. Ah oui, le gros truc qu'il a derrière, là. Non, c'est... Ah, non, c'est une bombe, là. C'est le mec qui avait un petit peu... Ah oui, aussi, là, c'est le missile chercheuse, là. Ouais, voilà, ouais, voilà, des sortes de petits bateaux qu'ils appelaient. Ouais, ouais. Qui appelaient ça, les petits bateaux. Ah, là, je me fais Ah, là, je suis pas bien. Oui, t'es planqué. Ouais, il se planque. Ah oui, mais ça, il y a des coquines. Hein. Coquines qui aiment bien faire les petits fourbes. Il y a des pigeons, ils étaient pas les pigeons avant. T'as vu, il y a des pigeons. Ah ouais. Eh bien, écoute, je m'en fous. Je m'en fous, mon gars. Moi, je peins. Je peins, je te dis. Laisse-moi tranquille, laisse-moi peindre. Ouais, c'est bien, et franchement, ça marche bien. On n'a pas de saute de ouais, alors pour l'instant, ouais, on peut parler, ouais, justement. Parce qu'il faut le dire, on est tous les deux sur la, donc, la borne Wi-Fi. Enfin, c'est chez moi. Le Wi-Fi de dame. Putain, là, on est en train de perdre, mon pote. Et franchement, voilà, on a eu un peu. Moi, j'ai eu un peu de mal au début à me connecter. Mais ouais. Bon, ouais, c'est peut-être parce que j'étais avec le pad et qu'on est deux, là. Bon, on a fait ça vite fait à l'arrache aussi, là, t'as pas eu le temps de. Ça a été fait un peu dernier moment, ouais. Et puis, mais bon. Alors les enculés, là on est tombé sur des bons là. Ah. Je suis sûr que c'est une bande de japonais ça. Ça c'est des kamikazes japonais mon gars. Ça mon gars, ça rigole pas. Et là on se fait laminer les mecs. Ah tu vois là je suis peut-être plus avec mon pote là. Ouais, alors lui j'aimerais bien lui latter la gueule. Mais trop tard, il m'a latté la gueule en premier. Putain là on est pas bien les mecs. Voilà, ça va être la première lose. Il fallait bien que ça commence. Putain, je me plante à chaque fois, par contre, le bouton saut, j'aime pas où il est placé. Je t'ai quand même niqué la gueule. Il a les putains de missiles, ouais, je l'ai vu, là, le mec là qui balance les missiles. Tu vois, mais c'est ce que j'ai, moi. C'est ce que t'as, comme arme. En arme spéciale, ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Hein. C'est pas mal, mais le truc, c'est que quand tu l'as, tu peux quasiment plus bouger. Voilà, c'est un loser, regarde comment on a perdu. Ah ouais. Ouais, ça pique. Mais en fait, quand tu l'actionnes, tu peux quasiment plus bouger. Hein. Et ça c'est un peu chaud parce que t'es sur place et les mecs ils te voient. Ouais, mais c'est pour ça, moi je l'ai vite tué le mec là, qui m'a fait ça. Le deuxième. Alors moi c'est je oscille entre premier et deuxième. Bon mais écoute, super. Tu veux essayer avec ça après? Ouais, allez, on va tester un peu. Après là, bon mais... Bon allez, on peut tenter celle-là déjà. Ouais, je me fais celle-ci. Allez, tranquille. Mais le jeu il est bon. Le jeu ça a l'air d'être du tout bon. Il y a un peu d'aliasing, il faut le dire. Ouais. Donc, mais ça gêne pas. Bon, après, est-ce qu'on est sur une version finale ou pas? Ouais, je pense que si, ouais. Ouais, je pense, ça m'a l'air d'être assez fini. Donc, ouais, ça, je pense que si, quoi. Mais c'est quoi, parce que c'est le gros problème de la Switch, quand même, faut le dire. Il y a pas mal d'aliasing, moi, je trouve. Ouais, voilà. La dernière fois, on disait qu'elle était pas parfaite, elle est pas parfaite. Hein. Ah non, mais faut le dire, faut être honnête. Hein. Ouais, putain. Mais t'as raison, par contre la peinture elle brille plus. Hein. Ouais, le c'est sur le personnage ça. Ça pète bien plus quand même. Ah, je suis d'accord avec toi. Là. Mais putain, mais saute. Voilà, merci. Voilà, ils nous ont pris à revers, c'est con. Après. Ça y est, j'ai trouvé des trucs pour faire des esquives. Oh, mon gars, appuie deux fois sur le bouton saut. Ah. Ça va, il fait des petites roulades et tout ça là. Ah putain, j'ai pas vu ça. Ça, c'est bon ça. C'est la nouvelle, le truc que je voulais essayer tout à l'heure. Alors, je refais. Est-ce que ça marche? Ah non, ça marche pas là. Ah, c'est quand tu. Ah oui, c'est quand tu tires. Tu peux le faire que quand tu tires. Ah, ok. Alors tu tires et là, hop, hop. Ah, ok. T'as vu? Esquive, mon gars, roulade. Ah, moi j'adore les roulades, je vais faire que ça. Ouh, ça va être serré là, ça va être serré ma partie, ça va être serré. Ah là là, pour ça on perd. Je me barre, mon pote, je me barre. Ah, ouais, yes. T'as vu?
Alors là, la jauge de peinture se vide très vite aussi, parce que forcément, on n'est pas comme ça peut exister dans le 1, et ça existera dans celui aussi, où tu peux, bah justement, en fonction des habits que t'as, ou des équipements que tu as, tu t'améliores en recharge de peinture, tu t'améliores en recharge d'armes spéciales, tout à fait. Etc., etc. C'est bien de le signaler. Voilà, et donc là, forcément, on perd vite la peinture, t'es vite perdu. Mais bon, ma foi. Ouais, mais on trouve vite ses repères, là. Depuis tout à l'heure, moi, je joue, là. C'est ça. C'est pour ceux qui ont joué au 1, c'est du pario même. Allez, je vais tester. À part les petites options en plus, là, comme je vous dis, là, quand je suis en train de vous montrer là, les esquives, là, comme ça, c'est bien utile pour s'échapper, j'ai l'impression. Comme ça, il y en a qui vont l'abuser. Voilà, je me suis fait niquer la gueule. Déjà que le saut, les mecs, ils y allaient comme des salauds, souviens-toi. Ah ouais, mais il y en a qui vont être super performants avec ça. Ouais. Ça a l'air d'être tout con comme, comme animation, quoi, mais je pense que ça peut aider. T'as eu les esquives, là, mon gars, que je te fais? Bon, ça sert à rien, là, mais... C'est pas bon, c'est vrai, tiens, je vais tester. Tu tires et tu fais le truc du saut et ça marche. Allez, je teste le double. Bon, là, j'étais concentré sur mes esquives. Je me concentre un peu sur la partie. Parce que là, bon, on a perdu... J'ai perdu une partie, quand même. Eh oui, hein, tu peux pas tout le temps gagner. Ah ouais, là, mon gars, c'est compliqué de tout le temps gagner. Hein. Ce jeu, des fois, c'est un peu pile ou face. Mais il y a des mecs qui sont super forts. Ouais, voilà. Les Japs, évidemment. C'est comme tout, hein, dès que tu passes du temps sur un jeu, dès que tu commences à connaître un peu, ouais. Fois, ça aide. Et moi, je pense que les Japs, ils vont être un niveau au-dessus. Hein. Je le sens bien, mais gros, je le vois gros comme une maison même. Que les gars, ils vont le torcher le jeu, ils vont dormir dessus. Ça me rappelle quand ils avaient mis des niveaux en plus, parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de niveaux dans le premier Splatoon, ils en avaient rajouté. Et ben, je peux te dire que les mecs, pour atteindre le niveau, mais il y en a qui sont allés bien vite. C'est pour ça le problème qu'ils avaient rajouté des niveaux en plus, parce qu'au début, il n'y en avait pas assez. Et il y a des mecs qui dormaient plus. Hein. Ils dormaient sur le jeu, quoi. Alors, on peut pas reprocher à Nintendo de pas avoir fait après de la DLC gratos qui a fait qu'on s'est rajouté, mais il a fallu attendre un peu quand même. Ouais. Bon, là, je sais pas non plus là si c'est la win. On va voir ça tout de suite en direct. Bon, c'est la win, tranquille. Tranquille. Ouais, j'ai perdu une fois, c'est tout, les gars. Oh, on dirait un truc de curling, son truc de machin. On te croit sur parole, mon gars. Tu disais, là, j'ai pris le double fang pour voir. Ouais, ouais. Mais ça passe bien quand même sur le. On est pas mal. Sur la version nomade. Mais carrément. Tu veux essayer ou pas alors? Ouais. Vas-y, lâche ta partie, c'est pas grave. Et tu t'en fous. Tiens, allez, finis. Mais oui. Finis. Mais ouais, je finis ma clope. Je vais crever comme une merde. Laisse-moi fumer. Et vas-y, essaye de voir maintenant ce que tu penses maintenant que toi tu vas tester les deux. Ouais. Il va nous donner son avis, le chef. Et après, j'ai essayé, ouais, moi. Aussi, ouais, je vais tester, t'inquiète pas. Donald, non. L33, c'est ici. Putain, les mecs, ils ont des sur. Mais déjà, moi, je peux te dire que c'est joli. Ah oui, très joli. C'est joli. Je peux vous dire aussi que le chef, il a les mêmes watts. Mais toi aussi. Ça, je peux le dire aussi, toi, moi aussi. Très bien, ça peut dire qu'on est à fond dans le jeu, ça. C'est ça, bien. Concentré. Voilà. Un petit problème de connexion, il suffit que tu prennes la manette. Toi, je crois que j'ai l'impression qu'il peut pas. Ouais, mais j'ai la poisse. Ils savent que c'est toi. J'ai la poisse. Mais attends, par contre, la caméra, elle me plaît pas. Ah, tu vois? C'est bizarre, hein. Y a pas moyen de la recentrer. Tu vas voir, c'est un peu... Faut s'y faire, hein. C'est pas sûr que je joue beaucoup là-dessus. Ouais. À voir. Alors, je vais tester ça, maintenant. Ok, moi je tente, là, je dis ferme ma gueule, je teste la version nomade. Voilà. Et c'est moi, jouable. Partie... Oui, oui, complètement, attention, voilà, je m'en sors. Voilà, hein. Moi je pensais que ce serait moins jouable que ça. Bon allez, maintenant c'est à moi de tester la manette pro, voyons. Allez, vas-y. Donne-nous ton avis, je suis ton ressenti. Fleur. Ah, t'as pris le double flingue, oui. Ouais, ouais, je l'ai testé, j'ai changé. Ouais, je joue la partie là de... Ouais. Bah alors, de suite, je te dis que c'est mieux. Ouais. Ouais. Tu préfères? Ouais, et tu meurs aussi bien. Mais c'est quoi? Alors attention, vous voyez Chef en direct, le skill du Chef. Attention. On va comprendre pourquoi il a perdu. Moi peut-être. Je suis un gros bois, hein, je vous le dis de suite. Bah, quand on va ça arrive en face de moi. Montre-nous tout ton skill. Je suis un gros bois. Des gens, les gens te regardent. Ah ouais, c'est ça, skill. Les gars, regardez, là il y a la pression, le gars. Skill. Skill. Mais t'as essayé justement les esquives? Ouais, mais j'ai essayé même tout à l'heure avec. Ça marche bien. Mais je suis content quand même que ça marche, quoi. Ça veut dire que putain, on va pouvoir se faire des parties c'est chez Eldivia. Et ça va être plus merveilleux. Sincèrement. Mais il est propre, ouais, le jeu, hein, quand même. Sincèrement, c'est plus fin, j'ai l'impression. Graphiquement, ça a l'air plus fin. Ouais, il est plus propre. Hein. Ça a l'air plus propre. Ouais, moins flou, tu sais, que le... C'est ça.
Ce que je reprochais moi sur la Wii U, c'est que beaucoup de jeux ont l'impression qu'ils sont flous. C'est flou. Ah, c'est vrai. Allez, oh mon gars, mais comment t'as fait pour le louper? J'étais sur le giro, quoi, quand même. Comme un con. Sérieux, là, mais on te voit, tout le monde te voit. C'est pas grave. Les gars, on a rien à branler. Nous, on veut du fun. Moi, je gagne. Voilà. La défaite. Défaite, c'est dans la défaite qu'on apprend. Exactement. Alors, écoutez la parole d'un sage. Pas la parole d'un singe, j'ai bien dit d'un singe. Bon putain, mais par contre là j'aime pas ça, et comment on fait pour recadrer? C'est pas normal ça. Parce que t'es obligé après de mettre comme ça, c'est chelou. Hein. Je suis sûr qu'il y a moyen de recentrer la caméra. Mais je me demande c'est pas Y. C'est le Y? Ah ouais, c'est le Y. Tu vois, voilà. C'est ça. Il faut bien la recentrer je pense, parce que sinon là tu perds vite... Mais c'est vrai que c'est plus c'est plus mieux. Non, c'est plus instinctif sur le avec le gamepad, avec le, la manette. Ah, complet. Hein. Je vois la différence là aussi. Ouais, ouais. Mais il faut le niquer lui là, on a pas eu quoi. Oh, je suis tombé dans l'eau. Il y a une grille. Moi, je peins toute votre zone les gars. Moi, je suis un peintre. Je suis un peintre fou. On est bien là, on est bien là. On domine, on domine. Je crois que j'aurais dû faire carrière là-dedans. J'aurais dû être peintre en bâtiment. C'est ça, peintre en bâtiment, exactement mon gars. Parce que je crois que je suis le carburant. Question de peinture, ça va les gars. Mais moi je m'en sors un peu mieux quand même. Ouais, ça me va mieux. Mais on va voir, hein, les gens ils vont voir si tu gagnes ou si tu perds, mon pote. Hein. Là tout de suite, de toute façon, c'est le test en direct, mon gars. Oh le con, il a mis son orbe spécial. Tiens, oh là 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 là. Je vais y avoir son jet là. Un con. Ouais, bon, toi, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? Attention! Attention! Wow. Oh, tranquille, putain. Ah, il m'a battu pas. Oh, bah, c'est bon là, c'est la win, le gars! Daron du game, le mec! Peut-être pas premier, hein, mais. Voyons. T'es lequel, toi? Bah, t'es là. Ah, troisième! Mais deux Japs, encore. Ouais. C'est con de Jap, là. Pourtant, 1500, c'est ce qu'on regarde. Bon, ils étaient trois. Non, mais là, tu vois, quand tu regardes ton personnage, là, tu vois qu'il est plus joli. Ils sont mieux faits. Ouais, sont... c'est. Ouais. Je sais pas, c'est plus propre. C'est, on dirait que la Switch, c'est la console de la netteté. C'est ça. C'est... Non, sérieux, hein, je sais pas comment le dire, mais. C'est mieux que la Wii ou en tout cas, ouais, c'est sûr. Ouais, quand même, faut pas exagérer, les gars. Heureusement. C'est parce que ces gros trolls là que j'entends là, que je supporte plus. Ouais. Faut arrêter, les mecs. Et puis, je crois que vous avez rien compris. Je vais être méchant là, les gars, mais je suis désolé, mais je crois que vous avez rien compris aux jeux vidéo. Hein. C'est qu'à un moment donné, si vous jouez au jeu, quoi, pour vous astiquer la nouille. Voilà, non, mais vous astiquer la nouille devant des beaux graphismes, mais arrêtez de jouer. Quand tu je vois crois là, que vous n'avez pas compris et que le principe, c'est s'amuser. Ouais, je le dis parce que j'ai lu le Mass Effect. Il paraît que question animation de personnage. On en chie. Il paraît... Non, mais c'est de la merde. C'est surtout que les cinématiques, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Voilà, alors. Mais ça râle grave, en plus. Bah ouais, tu m'étonnes. Les mecs, ils ont attendu, c'était le jus de leur vie. La trilogie, c'est vrai qu'elle était pas mal. Moi, j'ai fait le troisième épisode. Nous, on est joué ensemble sur. L'avais fait sur la Wii U. Ouais, sur la Wii U, voilà. C'était bien éclaté. C'était bien. Hein. Mais bon, et si vraiment, c'est que là, je voulais finir ma phrase, on va dire, ma pensée, ouais. C'est que si vous vraiment vous voulez des beaux graphismes, achetez-vous un putain de PC. Voilà. Achetez-vous ça, un putain de PC. Ça, on le dit, on redit encore. Si c'est pour vous, c'est ça le plus important dans un jeu vidéo. Mais vous faites pas chier à acheter des consoles. C'est ça. Franchement, voilà. Et par contre, si vous voulez du fun. Moi je dis acheter ni du Nintendo et acheter la Switch. Donc voilà, je travaille pas pour eux, j'en ai rien à cirer. Hein. C'est. Dommage d'ailleurs, on travaille pas pour eux. Putain, j'aimerais bien. Imagine tester les derniers jeux et tout ça. Ah putain, ça serait bon, ouais. Oh là, je suis tombé. Ah ouais, ça, t'as eu le coup de flotte, toujours. Ah ouais. Et puis là, ça a pas changé. J'étais en jetpack là, comme un con. Ça a pas changé, une ça. Une fois que j'étais sur l'eau, je me suis retrouvé plus pour remonter, quoi. C'était fini. Putain, mais là je te regarde jouer, je trouve qu'il est encore plus propre que quand je jouais, moi, tu vois. Ah oui, ah lui. Et par contre, t'as plein d'infos partout, quoi. C'est coloré, mais. Ça part sur les épileptiques, je vous le dis. Ah ouais, là, interdit aux épileptiques, là, je pense. Là, mon gars, c'est le jeu qui est pas fait pour vous, ça. Je suis désolé. Ah ouais, c'est une sorte de. On dirait ma chaîne curling, l'arme de lui, là, du double feu. Je sais pas ce que t'as avec ton curling, mais si tu veux. Ils appelaient ça, je te dis, certains joueurs français, des petits bateaux. Ouais, mais tu vois, ça ricoche, tu vois. Ouais. Ah oui, je te crois. Je te comprends, vite fait. Ah merde. Bien sûr. Ah ouais, il a bien ricoché. Il a bien loupé ton coup.
Si tu peux le refaire pour le montrer aux gens, n'hésite ouais, pas. Hein. Oula, ça m'attaque là. On essaye de montrer ouais, les possibilités du jeu aussi, pour que vous voyez un peu le maximum. Moi, j'attends de voir le retour là aussi du Victor, parce que c'est la première fois qu'il y joue. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Victor, on vous conseille aussi la vidéo donc, des Furious Players avec Tonio et Victor. Ah ils ont bien assuré, les mecs, ils l'ont faite. Sinon, on met tant pis pour eux. Et là, ils ont eu encore un pépin technique. Ça peut arriver, les pauvres, ces temps-ci, là, c'est pas la fête. Donc, mais j'attends de voir et je pense qu'il va être comme un fou, lui aussi. Hein. Il va comprendre ce que c'est aussi qu'un bon TPS. Parce que là, je crois qu'il a compris ce que c'était un bon jeu d'aventure avec le Zelda. Martin ! Et je crois qu'il va comprendre maintenant la différence avec un bon TPS. Parce que ça, les mecs, comme on l'a dit tout à l'heure, on se répète, mais les mecs qui vont vraiment dormir sur le jeu, ils vont être super forts. Ah, c'est chaud à l'avoir, lui. Ah, mais lui, quand il est comme ça, là. Ah, mais j'attends. J'ose même pas l'attaquer, moi. Faut être assez près de lui, je pense. Les tests, hein, t'as bien raison. Hein. Oula, de toute façon, qui ne tente rien est un vaurien, comme j'aime bien le dire, moi. On n'est pas bien. Allez, hop, moi je continue la version nomade qui est pas mal du tout. Et ça passe aussi. À deux, forcément, on va attaquer. Mais ça passe très bien, hein, en nomade, franchement, ça passe bien. Ça passe bien, quoi. Après, la prise en main est peut-être meilleure avec le pro. Ça dépend, parce que tu sais, nous, on est des. À la base, on est quand même des joueurs console. Ouais. On n'est pas. Moi, je commence à m'y mettre, moi, là. Je veux dire, au gameplay nomade, qui n'est pas du tout le même. Parce que les boutons sont plus petits, la manette est moins confortable ouais, au début. Donc il faut prendre ses marques. Défaite. Et moi j'ai rejoué là, parce que j'ai suivi vos conseils les gars, j'ai rejoué au Zelda en version nomade. Ouais. Et je commence à m'y habituer. Il y en a qui est sympa. Moi j'y joue. Je commence à m'y habituer. Même ce stick là que je trouve un peu chiant, parce qu'il fait mal au pouce. Quand pour régler la caméra, pour ceux qui jouent au Zelda, ils savent de très bien de quoi je parle. Ouais. Mais même ça, à force de jouer aux versions nomades, eh bien ça passe pas mal. Il y avait 7 voilà, minutes. Bon, 7 franchement, minutes. Pour un confort. 7 minutes, putain, ça y est. Ça y est, c'est fini. Non, me dis pas ça. Pourquoi tu me dis ça? Je continue à jouer, moi. Merde. Bah, demain matin, faut se lever, quoi. Je crois que c'est ça. Ouais. Alors, moi, je pense que je suis au lit. Enfin, moi, je pense. À moins que. Ouais, mais écoute, on verra bien. Moi, j'ai essayé, mais je garantis rien parce que j'ai besoin de sommeil. C'est ça. On vous fait pas mal de montage, moi je vous fais des dessins, des articles. Je croyais pas que ça dora chez Aldivia. Ah non. Et tout le monde bosse. Hein. Ça bosse, ça bosse. Voilà, tout le monde bosse, hein, moi je vous le dis. Hein. Et on s'investit de plus en plus, et puis on kiffe de plus en plus. Et on a de plus en plus de retours. Donc c'est tout ça. Va bien c'est chez ça nous. C'est intéressant. Donc les mecs, n'hésitez pas. Donc j'espère avoir. Moi j'aimerais bien justement, là je vous le dis vite fait pendant que je suis en train de jouer, ouais, ceux qui ont eu la chance de tester, parce que je sais qu'il y en a qui vont le tester. Mais des retours, des retours, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous n'avez pas kiffé? Pourquoi? Expliquez un peu. Parce que balancez pas des trucs qui a pas de sens si c'est pas argumenté. Expliquez-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Nous on est ouvert à toute discussion. Et ça peut être qu'intéressant. Et nous, après, on vous fera, bien sûr, des retours de l'équipe et tout ça. Je pense qu'on fera même des petits paf parce qu'on a appris, c'est toi qui me l'as dit, oui. Qu'à minuit, mais il y a un treehouse, voilà. Un petit treehouse justement spécial, c'est pas tout, justement. Ouais. Et donc, du coup, on va apprendre plus sur les possibilités du jeu, j'imagine. Et putain, ça fait faire plaisir. Et rien que de savoir que ce jeu-là va arriver sur la Switch, mon gars. Ah, moi je suis content. Rien que ça déjà, bim. Voilà. Ouais. T'as le Mario Kart dans un mois, bim. Putain, le Mario Kart, et on va faire le mode battle chez Aldivia, ça aussi. Ça aussi. Parce que c'est Furious Player, tiens. La revanche des darons. Bon, en même temps, on avait gagné la plupart de nos défis, mon gars. C'est donc, ça. Donc, faut pas non plus exagérer, on a perdu quelques-uns, mais. Ouh, c'est bien joué ça, les mecs. Après, il y a eu la triche, il y a Hugo qui a participé à. Ouais, à Smash Bros. On s'en rappelle tous. Ouais. Espèce d'arnaqueur, quoi. Là, ils avaient bien joué sur ce jeu, mais on n'y comprenait rien. Ouais, et puis moi, j'avoue que. Oh, je suis tout seul, Finis ta phrase, ça serait bien. Oh là là là. Et puis moi, j'avoue que Smash Bros, je suis très mauvais. Enfin, c'est pas ton jeu préféré. C'est pas mon jeu. Voilà, c'est pas ton jeu. Pas. Oh là là, on prend une raclée, mon gars. Moi, j'ai essayé, moi, et j'ai du mal aussi. Ah, est-ce que c'est la dernière partie pour moi, alors?
Où c'est que t'as vu qu'il restait que 7 minutes? Je le regarde sur ma montre, quoi, sur mon téléphone. Il est quelle heure? Il est 56. Ah ouais, putain, là, c'est la dernière partie, les mecs. Voilà. Dernière partie sur Splatoon 2, mon pote. Allez. Et putain, ce qu'on peut vous dire, c'est que ben, là, vous le voyez, hein, on est comme des dingues. Hein. Comme des gosses. La couleur bleue clair, par contre, elle est dégueulasse, je trouve. La trouve pas, là, la couleur là, bleu clair. Je suis pas fan. Pas génial, ça. Fan, là. À la limite, je préfère le rose fluo, là. C'est quand même bien psychédélique. Ouvre la carte avec le X, vous voyez, ça le sait, mon gars. Vas-y, essaie de te téléporter. Pour montrer aux gens. Voilà. Et bim, et là, regardez. Hop. Ça va, ça reste intuitif, quand même. Ouais, ça va encore. Ça reste assez rapide. Faut s'habituer. Après, c'est juste un coup d'œil à donner, et puis, voilà, je t'ai eu. Bien joué, mon gars. Ah, mais l'autre était derrière. Ah, la dernière partie, moi, ils veulent pas, les gars. Parce que c'est bloqué ici. Aïe. Quand tu vois la branlée, tu vois la branlée. Hein. Ah putain, là, t'es en train de te prendre une sacrée branlée, mon gars. Et je crois que les mecs, ils sont remontés. Putain, bien niqué la gueule. Ah putain, et dis-toi, hey, c'est un jeu de guerre. T'aimes la guerre? T'aimes le fight? T'aimes les guns? C'est ça, ils ont réussi. Oh, leur coup. J'ai pas eu le temps. Ils ont réussi à faire un jeu enfantin avec des mécaniques de gameplay de FPS classique. Que, attention, c'est pas si facile que ça, loin de. Non. Et je vais dire t'aider, toi, là-bas, super technique le jeu. Ah putain, moi je joue là. C'est peut-être ma dernière partie. Au moins, on aura testé, nous, les deux modes. Mode nomade et mode salon. Donc, on va vous donner votre avis après quand ça sera fini. Ça va être bientôt fini. Voilà, on va se poser. On va vous parler un peu plus. Là, comme on l'a dit, on commence à y arriver, mais c'est pas évident, hein, les gars, de parler en même temps de. Contre japonais encore, hein. Donc, ouais. Ça, les mecs, essayez, vous verrez. C'est ça. C'est pas évident du tout. Encore dans la liste, peut-être encore une. Bon, là, je te fais un petit massacre, moi, avec le jetpack, là. Le jetpack et le double flung, moi, je crois que c'est mon arme. Franchement. Parce qu'il y aura d'autres, hein, après. Ouais, pour l'instant. Il y avait d'autres, mon gars. T'as combien ils nous avaient fourni Ça, c'est un truc de fou, et t'inquiète pas, hein, qu'ils vont. Le jeu, ils vont le faire vivre. Vu comment ils l'ont fait vivre sur la Wii U. Attends, je parle en même temps que toi, on va pas nous entendre. Pardon. Vas-y, je t'écoute. Non, je dis par rapport aux armes, c'est sûr que même un. T'as je sais pas combien de types de rouleaux, combien de types de slime, combien de types de machins, c'est pas les mêmes trucs, c'est pas la même portée, c'est pas. Voilà. Non, c'est pas pareil. Voilà, enfin, et puis en fait, faut trouver ton arme, quoi. C'est, voilà. Comment tu le sens, le jeu. Nous, aussi. Nous c'était l'aérogun. Voilà, parce que. Voilà, je suis pas un sniper. Moi non plus, je suis pas une campeuse. Après, des campeurs, il en faut toujours, hein, ce genre de jeu. Ah, de toute façon. Sinon, c'est pas marrant. Voilà, parce que c'est bien de réagir aussi à cause de ça. Ça, moi, je suis pas contre. Hein. Des snipers, je suis pas contre du tout. Ah, bah non, hein, ça fait partie des ça jeux. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ces jeux-là. Hein. C'est après, c'est pour ça que. Mais faut aimer faire ce genre de game, ces jeux-là, comme ça. Et moi, là où ça doit être intéressant, c'est qu'avec Aldivia, là, il va falloir voir qui est bon où. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui sont plus bons à fighter les mecs? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs à repeignant toute la zone? Ou alors justement le snipe ou je sais pas quoi et tout ça. Et ça sera à nous après de voir et de faire ce qu'on arrive dans l'équipe. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui est mon lolo ou pas? Est-ce que. Ouais. Mais on va être content. On aura de quoi faire. On sait très bien qu'avant les vacances d'été, quoi, déjà, on a un bon jeu qui va être idéal pour jouer dans la période de c'est l'été. Ça. Il était sorti aussi le premier. Mais il était sorti en été aussi, ouais. Si je me souviens. C'est bien, ça. Le premier. Il était bien sorti aussi en été. Ah, moi je me fais laminer. C'est vrai que c'est moins facile, c'est les gars, sur la version nomade. Là moi je vous le dis. Bah, c'est-à-dire que les joysticks sont placés, pas bizarrement, mais. Je suis sûr que tu peux les changer, ça. Mais ça doit se régler. Aïe. Je suis sûr que tu peux le changer. Alors je sais pas, lui il a fait le kamikaze, il nous a foncé dessus alors qu'on était deux. Un peu blaireau le gars, mais bon, pourquoi pas. Non, on va rester là. Hein. Parce que là, on s'est fait des. Ah, mais non. Ah oui, d'accord, en fait. Okay, bah, c'est fini. Bah, moi, je pense que c'était la dernière, là, vu l'heure qu'il est. Ah, et toi, c'est la dernière aussi, je pense. Hein. Ah oui. Moi, je l'ai pas eu. Peut-être qu'ils vont me proposer une toute dernière, on l'a perdu comme des. Comme des merdes. On finit sur une défaite. Voilà. Et là, t'es en train de perdre aussi. Ah oui. Aïe. Je vais essayer de repeindre un peu devant chez nous, là, parce que. N'hésitez pas à chambrer le chef dans les commentaires. Allez-y, quoi. Moi, je vous ai montré du beau jeu, moi, les gars. Ouais. J'ai eu de la chance aussi, je suis tombé sur avec des mecs. Ils étaient bons, les gars. Parce que ça aussi, ça dépend avec qui vous tombez. Hein. Parce que s'il y a des ozos qui pensent qu'à faire des kills, c'est sûr que vous allez perdre. Hein. Ah, ça.
C'est là où on dit la répartition des tâches dans ce jeu. Et c'est pour ça qu'il y a des teams qui sont créés. Et voilà, hein, c'est. Beaucoup de teams qui sont faites et les mecs ils jouent que entre eux, ils se connaissent par cœur, ouais. Ils connaissent les mondes par cœur. Ouais, ouais, et voilà, c'est comme ça que. De toute façon. Tu le vois vite hein, quand tu vas en ligne et que t'es pas une team créée. C'est ça, moi j'ai essayé des modes, le mode pro. Tu sais pas où ils vont les mecs. Et c'est eux pas évident. C'est vrai que c'est chaud. C'est pas évident, ah, c'est peut-être une autre partie moi. Ah. C'est pas évident parce que les gars, voilà, faut se connaître. Hein. Faut se répartir les tâches. Je me répète une troisième fois, pourquoi pas. Allez, 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 allez mon gars, allez mon gars. Pff, on s'est perdu, je pense qu'on est perdu. Je l'ai mal. La dernière partie, j'ai vu la dernière fois la carte. Quelle heure là? Il est... Ah ouais, mais là, c'est fini, oui, là. Ouais, c'est fini, là. Moi, à mon avis, j'y arriverai pas. Ouais, à mon avis, ça m'étonnerait. Peut-être que moi, je peux rentrer, mais... Ah, si, moi, j'ai peut-être réussi à rentrer, moi. Ah, ça, c'est ultime. Ah, c'est là. Ouais, ils sont c'est vraiment la partie bonus. Ou alors, ils sont sympas, les gars. Ils ont dit, bon, allez, on en donne un peu plus, sur mec. Histoire de faire monter la hype. Ah, ouais, histoire de les dégoûter, vous dire, maintenant, les gars, faut attendre au mois de juin. Ah, je suis reparti dans une liste. Toi aussi, allez, vas-y. Allez, ma foi. Fais-toi plaisir, moi je vais faire plaisir. Alors coéquipier c'est quoi? Et si ça se trouve, ils vont en faire d'autres, hein, des petits tests comme ça, là, des bêta tests du jeu, là, du mode en ligne. Ah t'as vu, tu peux faire avec la croix multidirectionnelle, si tu restes appuie sur A en maintenant la croix directionnelle pour faire un super saut. Et tu vas sur un coéquipier en allant à gauche. Sur A? Appuie sur A en maintenant la croix directionnelle. Laquelle, au verrou? Soit à gauche, soit en bas. Soit à gauche, soit en bas? Ouais. Il fait rien. Il est joli. Appuie sur A en maintenant. En maintenant quoi? A? Non. Celui du bas ou celui de gauche? Non. Il fait rien. Par ici. Il fait toujours par ici. Ouais. Ma foi. Ouais, je crois qu'il te raconte de la merde. Ouais. Du coup, mes collègues, je les laisse dans le caca. Voilà, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, est-ce que ça rentre, nous? Ah, pas sûr. J'ai essayé l'autre train, mais elle me plaît moins. Ouais. Moi double gun les gars. Double gun les gars. Oula aéro gun, remettez-moi mon aéro gun. Ouais, c'est ça, j'espère bien qu'ils vont le mettre, ouais. Ouais, que... J'espère qu'on va retrouver des vieilles armes. Hein. Bah, ouais. On retrouve déjà les rouleaux. Bon ben j'en ai encore une quand même, hein, écoute. Hein. Eh ben moi aussi, mais on profite les gars. La dernière. Dernière. La dernière. Allez, faut finir sur le Victor. Finis mon gars, montre-nous le beau jeu. Le beau jeu, pardon, chez les darons. on veut rehausser le niveau. Non mais ce jeu, même que tu perds ou que tu gagnes, on s'en fout quoi. Franchement, c'est l'amusement avant tout. Ça. Oh putain. Ah ouais, par contre les missiles, ah ouais ça fait mal. Hein. T'as vu? Ah ouais, ça lock les... Ouais c'est ça, ça lock les mecs. Ah oh, j'étais suivi. Vous l'avez vu, le mec au missile, là, justement. Putain, moi, je savais plus où j'étais. Quand même, ça me fait des crampes aux doigts, voilà. C'est... ouais, tu vois. Ah, je suis pas encore un spécialiste des consoles portables, moi. Hein. C'est pas... voilà. Y a... Et ces jeux-là, en plus, c'est chaud, parce que... C'est... ouais, moi, j'aime bien avoir... mes amis. C'est qui m'a eu? Ah, oh, putain, j'ai même pas vu, lui. Et là, tu te sens un peu crispé. Moi, je trouve. C'est ça. Je sais pas, après, bon voilà, c'est une habitude, hein, je pense. Hein. Puis peut-être qu'on a des trop grosses mains. Sur le Zelda, je t'avoue que ça passe très très bien, mais c'est pas. Parce que c'est quand même des jeux stressants, donc t'as tendance ouais, à. Ouais, mais bon, pour être honnête, t'es à jouer plus en mode salon enfin, ou en mode portable. Portable. Ah, toi, c'est plus portable. Ah ouais, complètement. Ah ouais. Complètement. Putain, t'es un fou. Ce jeu Zelda, faut jouer en salon. Ah, mais je suis d'accord, mais j'ai joué aussi en salon. Mais. Pour on va profiter dire. Des, beaux, des paysages. J'ai bien deux tiers. Cache-toi, c'est. C'est bon. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu regardes la télé en même temps ou quoi? Ouais, ou j'écoute, je regarde le foot. Ah oui, monsieur, regarde le foot. Mais vas-y, hein. Ah oui, parce que nous, on se fait chambrer à cause de toi. Ouais. Parce que dans le clip des darons, on le voit avec son maillot de l'OM, cet enculé. Et donc, du coup, on croit que moi aussi, ah, je suis un supporter de l'OM. Vous inquiétez pas. J'en ai rien à branler, moi, du foot, les gars. Ah, je t'ai pas dit, pour la journée déguisée. Déguisé en quoi? Ben, en supporter Marseille. Allez, alors là, le cousin, il va être content, mais moi, j'en ai rien à foutre. Putain, et t'as pas intérêt de dire que tu passes pour El Divia. Ah, moi, je le connais plus, mon gars. Je peux te dire que les bordelais, ça râlait, quoi. Quel salaud, ah, ouais, tout ça pour la chambrade, quoi. Ouais, c'est ça. Histoire de faire rager les collègues. Donc, mais regarde, le mec, quand même, c'est un supporter marseillais.
Mais il est gentil. Oui, il est gentil. Oui, je suis un calme. C'est pas un ultra, quoi, on va dire. Ah, oh, ben là, là. Et c'est surtout que le mec, il est supporter, donc, de, vous voyez, quoi, du club de Marseille. Mais il joue pas beaucoup de jeux de foot. Ah non, quasiment jamais d'ailleurs. Et le FIFA, tu vas le prendre ou pas alors? Non. Tu ne l'as pas? Non, parce que non, en fait, non. J'y ai assez joué avant. Tu te rappelles quand tu me faisais péter un câble? Première fois que j'ai joué chez lui, je me souviens toute ma vie, moi je voulais le dire. Oh là là. J'ai cru qu'il allait me taper. Le mec, il m'a mis des buts de raccro. Le gars, moi en plus, je suis un très mauvais joueur. Autant quand je gagne, ça va, chez le fanfaron. Et quand je perds, tête de con, quoi. Et le gars, voilà, voilà. Alors on s'est connus comme ça. C'est ça. Voilà, c'était le coup de foudre, bien évidemment. Mon Dieu. Un gros coup de poing dans ta gueule. C'est peut-être la victoire. Je kiffe Morico, moi. Je... Oh non. Il perd de 0-4. Eh ouais, mon gars, regarde les nouvelles coupes. T'as vu, regarde. Ah, elle est toute petite tentacule maintenant. J'ai fait de la merde, j'ai été mauvais à celle-là. Désolé, on peut regarder un peu, ouais. Alors normalement, il y en a qui auront des pantalons. Oui, ça, ce qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Il y en a qui auront des pantalons, des... Voilà. Mais putain, mais on joue jusqu'à quelle heure, en fait? Chut. Les mecs, ils ont oublié de couper le serveur. Je sais pas. Putain, on en profite. Les gars, ils ont dit, bon, mais tant pis. Tu veux reprendre un peu? Allez, vas-y, allez, ouais. Va. Parce que là, je me tue les doigts, mon ouais, gars. Ouais, vas-y, vas-y. Je... Allez, hop. On va se réhabituer un petit peu à la manette pro. Non, même les coups, manette ça, des... indispensable, je pense, pour le jeu. Ah, moi je pense. Il a, je crois que cette manette, elle a été faite pour ce jeu, même. C'est possible. Moi, j'en suis de plus en plus convaincu quand je vois la maniabilité quoi, du gameplay, là. Et le gyro, regardez, là, j'abuse. Et ouais. Ça marche bien. Alors voilà, il faut pas jouer comme ça, les gars. Ça, non. Au début, si vous prenez un peu vite fait, c'est pas mal aussi. Et après, voilà. Après, non, après, c'est fini. Ça se joue comme un FPS classique, hein. Mais sauf qu'après, en précision, on gagne. C'est plus fluide. Retour dans le hall. Ça, c'est fini. Ah, attends, fais voir. Je le réessaye. Ah, toi, c'est foutu pour toi. Bon, c'est peut-être la dernière, mon gars. Recharge d'une partie. Attention, les mecs, verdict. Recharge d'une partie. Ça charge un peu trop, à mon avis. C'est pas bon signe, quand généralement. C'est long comme ça. Quand ça charge trop, c'est mort, mon pote, je pense. Et je refais, regardez, les petites roulades, vous aurez vu comment, à quoi ça... C'est ça. Comment ça, on le fait, on tire et on appuie là sur le saut, et hop, ça fait les petites roulades. Et ça, pour nous sauver de certaines situations, à mon avis, ça va être bien pratique, les gars. Et ça, on n'avait pas sur là. Ça, on n'avait pas sur là. On avait que les sauts, là. Putain, je suis mort. Ah, quoi que. Alors, je suis reparti. Ah, mais voilà, mon gars. Mais ils vont nous offrir toute la nuit. Il faut le télécharger vite. Non, parce que autant vous le dire, il y a eu des tests donc, sur le premier où il y a eu où ça durait une heure et machin. Ouais. Une heure. C'est sûr que ça dure une heure parce que là. Ah, mais normalement c'est une heure. Écoute, moi je regarde la verre, mais pardon. Ça fait. Je regarde notre enregistreur. J'allais dire, bon, vous connaissez la marque, on va pas faire les hypocrites. Je vois que ça continue à enregistrer. Ouais, enfin, il y a la place. Donc on a de la place. La caméra. On a normalement une bonne carte, regarde un peu quand même au cas où. Si tu peux jeter un œil, ça c'est sympa. Ouais, non, mais ça va, on a 5 heures dessus. Bah, 5 heures dessus, on est bon. C'est bah, bon, nous, allez-y, les gars. Laissez le serveur ouvert. Mais moi, je suis reparti dedans. Hein. Et mais, écoute, fais-toi bien plaisir. Mon ami. C'est cool. Ah putain, moi, je. T'as tendance à vouloir bombarder et oublier de te recharger. Pour recharger, ceux qui connaissent pas, pareil, on va dans la patrouille là, comme ça. Et hop, ça recharge. Et le jeu, il va être bon. Le jeu, je pense qu'ils sont vraiment calqués sur le modèle du premier, ça se voit. Mais qu'il va avoir les petites possibilités en plus qui vont faire bien plaisir. Oui, oui, oui. Ne serait-ce que ça, les nouvelles armes qui vont arriver. Ça, et puis peut-être qu'on aura un mode... Est-ce qu'on aura un mode solo? Ah, j'espère, hein. Ouais, faut putain. Pas, faut pas, il était pas trop mal, là, celui du il était bien, t'es fou, quoi. Moi, j'ai adoré. Mais ce serait bien un peu plus long, et peut-être, ouais. Ah, et ne dis pas qu'il était facile, t'as eu le boss. Ah non, il était dur. Attends, en chier sur le boss, je me souviens. Non, il était parfait pour apprendre le jeu. Voilà, il avait fait pour ça. Il avait fait pour ça, quoi. Bon, là, moi, je rehausse un peu le niveau. Fais bien, t'as Voilà, je gagne 59 à 27, tout va bien. Non, le jeu, le mode story, il était très bien. Et j'espère qu'ils vont l'en faire. Par contre, je suis dernier. Petite merde, là. Petit bras.
Non, il était très bien et le boss, c'est quand même l'un des meilleurs boss que j'ai jamais fait de ma vie. Ah, il était chaud celui-là. C'est le plus. Il te met une claque parce qu'il est interminable. Ouais, ça et dure. Il est fun. Tu te dis, ça va jamais finir. Ah putain, mais. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ou si vous ne le faites jamais même, regardez les vidéos. Vous verrez, il vaut le petit détour, quoi, le boss, hein, parce qu'il est vraiment classe. Hein. Et puis là, t'as intérêt à être patient. Ouais. Il était chaud, c'est vrai. Ouais, il faut connaître les patterns par cœur. Non, moi j'espère vraiment qu'on va retrouver un mode story. Et puis, on va voir, parce que j'ai lu aussi la nouvelle place là, pour choisir. Pour aller dans les boutiques de nos armes, nos fringues, nos vêtements et tout ça. Je l'ai pas vu, moi. Ça a un peu changé. Okay. C'est un autre quartier. D'accord. Ouais. Ils sont partis un peu dans le trip, pareil, une sorte de quartier de Tokyo. Ouais, Tokyo, hein, comme voilà. Ouais. Parfois, je me trompe. Je pense que ça te plus abouti. Et ça continue. Et on continue encore et encore. Que pour notre plaisir. Moi, je dis d'accord. Eh bien, on est bon. Moi, je suis en jaune. Ah, je suis en jaune. Je joue contre Florian. Alors, est-ce qu'il laisse les meilleurs jouer? En fait, ils ont eu, putain, ils ont un putain de skill, ces darons là. Oh, regardez-moi les vieux là. Ça joue bien, ça tâte bien. Et l'équipe qui est en charge de ce projet, alors je vais pas vous mentir, je connais pas les noms. Ah putain, connexion. Mais par contre, je peux vous dire que. Ah, ça y est, c'est fini. Ouais. C'est fini. Ah non, en pleine partie, les gars. Bande de salopards. Je retente. Je retente aussi. Non. Allez les mecs. Et non, c'est fini. Ils nous ont laissé un petit bonus, les gars. Oh, on a eu. On a 12 minutes, écoute. 12 minutes. 12 minutes bon, de bonus. Bon, mais voilà. Donc, on va pour finir la phrase, c'était que je voulais dire que l'équipe qui est en charge de ce Splatoon, c'est des jeunes de chez Nintendo. Oui. Parce que Nintendo, faut pas croire, il laisse la place aussi un peu aux jeunes. Miyamoto, justement, mais c'est lui qui avait formé cette équipe. Ça, hein. Et tu avais donné ce projet comme premier bébé, on va dire. Et les mecs, ben, on peut dire qu'ils assurent. Ça veut dire que l'avenir me paraît radieux chez Nintendo, les gars. Et donc, le jeu, ben, on n'est pas déçus. Hein. Bah écoute, non, moi je suis très satisfait. Un bilan vite fait, vas-y. Exactement ce que j'attendais, de toute façon. C'est vrai. Voilà, c'est le même gameplay. Voilà. Après, t'as cette esquive qui m'a l'air assez intéressante. Ouais. Les textures sont plus jolies. Ouais, encore plus joli, ouais. Ouais, ces textures sont vraiment sympas. Vous pouvez le voir d'ailleurs là, quand vous voyez le fond là. Ça ressemble pas mal à ça en fait. En fait, ouais, c'est vraiment incroyable. La peinture est quand même bien brillante. Mais ils l'ont vu, les gars, vous l'avez vu, hein, de toute façon là, on a fait tourner la vidéo. La nouvelle arme qu'on a pu voir, le double flingue, a l'air très intéressant. Elle a l'air d'envoyer du bois. Il y en aura certainement d'autres, ça c'est sûr. Moi je pense qu'il y en aura même un bon paquet. Wow, ouais. Il y aura un bon paquet d'armes quoi en plus. Donc satisfait de toute façon. Voilà. Satisfait. Quoi le fait de la carte qui soit un peu à part. C'est bizarre au début. Mais en fait tu t'y fais assez vite depuis que tu rigs et bim. Ouais, moi je suis agréablement surpris. Parce que moi je kiffais et je kiffe encore. Hein. Ouais, voilà. Mais le fait, je vous l'ai dit, d'avoir la carte ici, de pouvoir taper où on voulait pour aller se faire. Comment ça s'appelle ça, téléporter. Voilà. Enfin, moi je suis sur un collègue, c'était vraiment pratique ça. Mais ça a l'air de marcher. Ouais. Donc la jouabilité, elle est bien au rendez-vous, oui. Ça c'est sûr et certain. Ouais, ouais. Le jeu, il va être encore plus complet que la version qu'on a eu sur Wii U. Ça se sent. Donc comme tu dis, ils ont rajouté des petits trucs, c'est intéressant. Moi j'ai vu des niveaux là, c'est dommage qu'on n'ait pas pu, ils n'ont pas proposé ces niveaux là. Mais comme tu nous as parlé tout à l'heure du mode story, il y a des tuyaux de peinture, comme ça des chaînes de peinture, on peut se balader dedans. On peut se balader par-dessus en fait. Voilà, ça apparemment ils vont nous mettre. Ça c'était que dans le mode solo. Hein. Voilà, donc ancienne map, apparemment ce que j'ai entendu dire, améliorée. Nouvelle map complètement inédite. Contenu, je pense qu'il va être gargantuesque. Parce que la question fringue et tout ça. Voilà, c'est un jeu. S'ils font le même modèle économique qu'ils ont fait par rapport à l'ancienne version, c'est-à-dire à chaque fois ils vont apporter des petits bonus en plus, ils vont le faire vivre ce jeu. Ils vont pas le laisser à l'abandon. Et je pense qu'ils ont vu que ça marchait. Il faut pas oublier. Et qu'ils vont continuer. Oui. Non, vas-y, excuse. Et qu'ils vont continuer sur cette voie-là. Voilà. Sans oublier que par exemple, on parle de Mario Kart sur la Wii U. Là, celui qui sort, la seule chose qui en plus. C'est le mode ballon entre guillemets. Ouais. Et rien d'autre. À part 3 si, il y a 4 persos. Ouais, des persos, machin. Là, c'est Splatoon 2. Voilà. Et là, ils assument le 2. Voilà. Alors, il y en a qui disent, mais non, c'est 1.5.
Non, ils ont dit que c'est le 2. Voilà. Et je pense que là, on n'a rien vu encore. Voilà. Et qui vont dire, mais on va vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment le 2. C'est ça. Parce que je pense qu'il va être encore plus complet, puis on le sent là déjà. Mm. Mais moi je suis content parce qu'ils n'ont pas trop changé les bases essentielles qui étaient bonnes, ils ont bien fait de les conserver. Mais après, mais ils le peaufinent, c'est un petit bébé qui peaufine. Et ce système, donc je disais, ouais, économique, je pense qu'ils le font pour Splatoon. Et il y a moyen qu'ils le fassent aussi pour Zelda. Je reviens à Zelda parce que c'est un jeu qu'on ne veut pas finir sur ce compte Zelda. C'est un jeu, moi j'ai la boule au ventre à me dire putain, c'est bientôt la fin. Et on a vu que les DLC bon, qu'ils nous proposent, c'est peut-être ça aussi les prémices pour dire que c'est un jeu que, à mon avis, ils vont entretenir sur la durée. C'est ça. Et qu'ils vont nous balancer, pareil, des petits cadeaux. Des quêtes, voilà. Des temples. Des quêtes, des costumes, des temples. Extension de cartes encore. Peut-être. Ce sera quand bien. Peut-être. Déjà qu'elle est immense. Déjà qu'elle est énorme, ouais. C'est la plus grande, pour l'instant, voilà, on va dire. Exactement. Tout Open World, je pense, quoi, c'est, je crois même que c'est la plus grande. Bah, a priori, oui. Hein. Même, ouais, par GTA, même par rapport à GTA, même par rapport à Skyrim, ouais, ça éclate. Ouais, et puis les autres, ouais, je crois que c'est le plus grand. Mais c'est pas parce que c'est le plus grand que c'est le meilleur jeu. Non. Attention, non, non, non. Mais on fera un débat, nous, là-dessus. Ouais, ouais. Et j'ai parlé à Tonio, avec Chebs, avec le Victor et avec le Hugo. On va faire un gros débat sur les open worlds, ce qu'on en pense chez Eldivir. Alors, vous en valez pas, ça sera que notre avis. Mais maintenant, on va se lâcher un peu plus, nous aussi. Parce que pour être honnête, quand on se retient des fois de temps en temps pour pas heurter les sensibilités de certaines personnes. Maintenant on ira, on va pas y aller non plus à troller pour le plaisir de troller, non, voilà. Parce que c'est pas notre délire non plus. Ça sera argumenté. Mais voilà, ça sera argumenté. Voilà les amis. Bah écoutez, ouais, on a passé une bonne heure et quart, bien sympa. Putain, ça fait plaisir quand même. Bien sympa, bien éclate. Ouais, ouais, ouais. Vivement qu'il arrive aussi. Vivement le mois de juin, mois de juillet. Ouais, juillet. On sait pas quand il va sortir. On verra bien. Il a l'air d'être déjà bien prêt. Ouais. Donc je pense pas que c'est un jeu qui va être retardé. Non. Ça n'a pas l'air. Donc bah, après on a pu jouer donc, c'est... Ouais ouais, puis ils ont montré là, moi les gars ils ont rien à cacher chez Nintendo, ils disent bon ben voilà le jeu c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors vous en pensez quoi, oui ou non? Ça c'est intéressant. Moi chez moi, pour chez nous je veux dire, ça sera un grand oui. Oui. Voilà les gars. Vendu. On vous remercie. Merci à tous. Voilà, merci de nous suivre, merci pour tout, merci de nous laisser des commentaires, d'aller voir nos articles sur Facebook. De mettre des likes sur les dessins que je fais, plein, enfin bref. C'est bien, vous êtes officiellement maintenant des Eldiviens, les gars. Voilà, on vous a adopté sur notre planète Eldivia, donc vous faites partie de notre monde, de notre univers. On vous fait des, pas des bisous parce que j'aime pas ça, mais des gros checks. Check, check. Voilà, et puis on vous lit à très bientôt chez les larrons du game. Et bien sûr, le petit, un petit. Viva Eldivia! Allez tous les mecs. Ciao. Bye. Cause you can't.